Bonjour et bienvenue à tous sur ce canal islamo-chrétien pour la deuxième vidéo de notre présentation intitulée Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Mahomet est-il un faux ou un vrai prophète? Pour rappel, de la première vidéo, nous avons observé ceci. Mahomet a-t-il fait des miracles? Dans la première vidéo, nous avons démontré que Mahomet n'a pas fait des miracles venant du vrai Dieu devant de nombreux témoins afin de prétendre qu'il vient de Dieu. Les seuls miracles indiqués dans le Coran ne sont pas suffisamment crédibles. En effet, Mahomet était mort avant la construction de la mosquée Al-Aqsa de la Palestine, donc ce miracle du voyage de Mahomet sur un cheval ailé est un mensonge du Coran. Mahomet avait coupé la planète Lune en deux morceaux. Or, de coutume, les phénomènes naturels observables sont toujours rapportés par plusieurs sources, et là, aucun autre témoin ne rapporte ce phénomène naturel, si ce n'est que les sources islamiques. Ce fait qui se trouve dans le Coran est encore un autre fait mensonger. De plus, le Coran dit que Mahomet n'a jamais fait des miracles, il n'a jamais pu montrer un signe aux païens comme preuve qu'il venait de Dieu. Au contraire, il a affirmé d'être qu'un simple humain incapable de quoi que ce soit. Le Coran, au verset de Coran, chapitre 4, verset 83, utilisé par des musulmans pour exprimer que le Coran est un miracle qui montrerait que Mahomet vient de Dieu, est un argument minable et non crédible. Car, en effet, ce livre est désordonné, décousu, incohérent et invraisemblable pour qu'il puisse venir de Dieu, qui lui est parfait et ordonné. De plus, aucun verset du Coran ne souligne que le Coran est un livre miraculeux. En somme, Mahomet n'a jamais fait un miracle venant du vrai Dieu. 2. Mahomet est-il le prophète promis en Deutéronome, chapitre 18, verset 18? Dans la première vidéo, nous avons démontré que Mahomet n'est pas le prophète promis en Deutéronome, chapitre 18, verset 18, car comme nous l'avons vu, dans le contexte de la demande des Juifs à Dieu de leur envoyer un prophète par la crainte de le voir apparaître sous forme de feu, le prophète promis est un juif et non un arabe. Preuve. Le texte biblique est clair, il utilise l'expression « un frère comme moi » du Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Et « un frère comme toi » du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Cette expression « un frère comme moi » ou l'expression « un frère comme toi » veut dire « un compatriote comme moi » également « un compatriote comme toi ». Or, Mahomet est un arabe qui a été envoyé aux arabes et non aux juifs. Le Deutéronome, chapitre 18, verset 18 ne le concerne donc pas. 3. Conséquences du Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Mahomet est-il un vrai prophète ou un faux prophète? Dans la première vidéo, nous avons examiné les conséquences des critères du faux prophète élaborés par Dieu en Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Qui donne des indications claires pour reconnaître le vrai prophète promis en Deutéronome, chapitre 18, verset 18, et ces critères sont ne pas prononcer ce que Dieu n'a jamais demandé de prononcer, ne pas parler au nom de faux Dieu. Ces deux critères du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, déterminent Mahomet comme un faux prophète, car, en effet, Mahomet a prononcé les paroles qui ne viennent pas du vrai Dieu, mais qui lui ont été dictées par Satan. Mahomet a parlé également au nom de faux dieux qui sont Allah, Al-Uzza et Al-Mana, au lieu de parler au nom de l'unique vrai Dieu. Et, souvenez-vous, nous avons démontré dans la première vidéo, à partir des versets du Coran, que le Deutéronome, chapitre 18, verset 20, est authentique et fiable. Par conséquent, le Coran demande aux musulmans d'observer, comme pratique recommandée par Dieu, le verset du Deutéronome, chapitre 18, verset 20. C'est dur d'accepter, mais si les musulmans croient en Dieu, ils sont obligés de croire à sa parole et de rejeter Mahomet comme faux prophète de Dieu. Pour la suite de cette présentation, nous allons aborder le prochain chapitre, que sur la base des preuves islamiques authentiques, pour montrer que l'histoire des versets sataniques est un fait réel, posé par Mahomet. Que les pires musulmans ont fait des efforts pour la cacher, mais n'ont pas réussi à la cacher, grâce à Dieu. Et c'est là où se situe le vrai miracle du vrai Dieu, dans le Coran et dans les sources islamiques, que cette vérité sur l'imposture de l'islam a été voulue par Dieu, qu'elle soit révélée à l'humanité. Thank you.
until after three, everyone be all lit up like a Christmas tree. Come on now, every Jane and Joe, treat your sweet niece to mistletoe with a kiss and a hidey-ho. Christmas night and all of them. My daughter is my brother's sister. Oh, what a night in Harlem. Oh, come on now, every Jane and Joe. I greet your sweet need to miss a toe. With a kiss and a go, go, go. While angels are shining the stars Christmas Eve, a sweet little angel takes heavenly leave. She likes to help Santa Claus dress up the tree. So next Christmas morning, look up and you see sweet Angie, the Christmas tree angel. Tippy-tippy-tap of the tree, all dressed up in stardust and tinsel. Have a very, very merry, merry Christmas, says she. She colors the lights and she sprinkles the snow. She hangs up the holly and bright mistletoe. The loveliest angel you ever have met. She makes Christmas one day we never forget. Sweet Angie, the Christmas tree angel. On the top of the tippy-tippy-top of the tree. All dressed up in stardust and tinsel. Have a very, very merry, merry Christmas, says she. When Santa has filled all the stockings with toys and left all his gifts for the good girls and boys, sweet Angie is busy till dawn starts to break, arranging the toys till the children awake. Then with the morning a smile on her face, when Angie has put all the toys in their place, the next thing you know, softly laughing with glee, sweet Angie returns to the top of the tree. Sweet Angie, the Christmas tree angel. On the top. L'épreuve islamique des versets sataniques. Dans tout ce troisième chapitre, nous allons utiliser les propos de l'Américain David Wood, qui fait une analyse très élaborée sur ce sujet. David Wood dit ceci. La majorité des musulmans menteurs disent que Mahomet n'a jamais délivré des versets sataniques et que cette histoire furent inventées par les ennemis de Mahomet, notamment les juifs. Le problème à ce déni des musulmans pose les questions suivantes. Dans un premier temps, comment peuvent-ils expliquer les versets qui réconfortent Mahomet d'avoir prononcé des versets qu'il n'aurait pas dû prononcer? Soit les versets du Coran, chapitre 22, verset 52, et le Coran, chapitre 22, verset 53. Dans un deuxième temps, comment peuvent-ils expliquer le passage qui incite à faire croire que les révélations qui seront prononcées plus tard viennent de Dieu? C'est le verset du Coran, chapitre 53, verset 23, et plus tard, la révélation sur les propos sataniques qui mettent l'accent sur les déesses au verset du Coran, chapitre 53, verset 19 à 20. Dans un troisième temps, c'est qu'il y a une tonne de sources venant directement des compagnons directs de Mahomet qui rapportent différentes versions de cette histoire. Voici ce que dit l'Américain David Wood dans sa vidéo. 37 sources islamiques originelles rapportent l'histoire des versets sataniques et ces sources remontent jusqu'au premier musulman important. Parmi les 37 sources que nous avons pour cette histoire, 6 sources remontent à Kab al-Qurazi, l'un des plus grands érudits du Coran de tout le temps. 5 sources remontent à Urwa b. al-Zubayr, un érudit mécois des premiers temps qui a reconnu être
le fondateur de l'étude de la vie de Mahomet, il était aussi le neveu d'Aïcha, le petit-fils d'Abou Bakr, et fils d'Asma, la fille d'Abou Bakr. Deux sources remontent à Abou Bakr. B. Abderrahman. B. Al-Harith, l'un des meilleurs érudits de l'islam, durant le premier siècle de l'islam. Cinq sources remontent à Abu Al-Aliya, Al-Basri, encore un des meilleurs érudits du Coran du premier siècle de l'islam. Il a étudié le Coran avec le calife Omar, avec Ubay ibn Ka'b, avec Zayd ibn Tabi et avec Ibn Abbas. Deux sources remontent à Al-Sudi, un autre érudit des premiers temps de l'islam, qui a étudié avec Ibn Abbas. Une source provient du tafsir de Muhammad B. Al-Sayyid Al-Kalbi, qui composa le plus long tafsir de son époque. Quatre sources remontent à Qatada B. Yama, l'un des meilleurs exégèses des premiers temps de l'islam. Une source remonte à Al-Bakh B. Muzaim Al-Balki, un expert du premier siècle dans les tafsirs. Une source remonte à Ikrima, un esclave ou serviteur d'Ibn Abbas et un expert sur la vie de Mahomet. Six sources remontent à Ibn Abbas lui-même, le cousin direct de Mahomet et le fondateur des études du Coran. Et plusieurs sources remontent à Sayyid B. Jubayr, l'un des plus grands érudits de son temps et l'un des meilleurs disciples d'Ibn Abbas. Certaines narrations d'Ibn Abbas passent par Sayyid B. Jubayr. David Roux poursuit. Donc cette histoire est partout dans la communauté musulmane originelle. Comment autant d'érudits musulmans de première main de Mahomet auraient pu se tromper de l'invention de cette histoire par des ennemis de Mahomet au point de la considérer comme vraie? Comment une histoire qui ne viendrait pas de Mahomet mais de ses ennemis juifs aurait pu être acceptée par les musulmans de première main de Mahomet? Regardons les excuses des musulmans dans toutes ses facettes, partant du postulat, cette histoire a été inventée par des compagnons de Mahomet. En règle générale, lorsqu'on veut inventer des histoires pour protéger son prophète, soit on invente des histoires positives pour le louer, soit on invente des histoires positives où il est en train de faire des miracles et autres. Mais lorsqu'on aime son prophète, on n'invente jamais des histoires où il délivre des révélations venant du diable. Il n'y a donc pas de raison pour dire que cette histoire, qui se trouve dans les sources islamiques proches de Mahomet, a été inventée. Le dire, ce n'est purement et simplement s'inscrire dans le déni de la vérité. À ce stade, certains musulmans désespérés pour défendre coûte que coûte les compagnons de Mahomet, car ce sont des salafis, c'est-à-dire des pieux musulmans, qui ont transmis toutes les sources islamiques. Ils diront ceci. Ce ne sont pas les salafis, les pieux musulmans, qui ont inventé cette histoire, ce sont les juifs qui l'ont inventée. Et on ne peut que répondre sérieusement aux musulmans, c'est ça votre explication? Pourquoi les pieux musulmans ont donc enregistré cette histoire? D'un côté, des juifs inventèrent l'histoire sur Mahomet, qui délivre une révélation venant du diable, et de l'autre côté, les premiers musulmans, les proches de Mahomet, ne l'ont pas entendu de Mahomet, mais l'ont cru des juifs, et l'inscrivirent dans des différentes sources islamiques. Or, si cela est possible, que les juifs ont inventé les histoires sur Mahomet, qu'auraient fait les pieux musulmans, ces compagnons de Mahomet, à des juifs qui inventent des histoires sur Mahomet, délivrant des révélations venant de Satan? Qu'auraient fait ces pieux musulmans de Mahomet à des juifs inventant des histoires sur Mahomet? Non seulement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils n'auraient pas inscrit cette histoire dans les différentes sources islamiques, plus qu'il est, ils les auraient tous exterminés dans un djihad sur le sentier d'Allah, en les considérant comme des ennemis d'Allah. C'est pourquoi l'unique raison qui m'a poussé des historiens musulmans d'archiver cette histoire aussi embarrassante, c'est parce qu'ils savaient qu'elle est véridique et qu'ils ne pouvaient pas la nier. Et on peut voir à quel point c'était embarrassant pour les musulmans parce qu'avec le temps, cette histoire s'est édulcorée de plus en plus. Premièrement, les versets originels de l'histoire disent que Mahomet délivra les versets sataniques. Deuxièmement, les versions antérieures de l'histoire disent que Satan a juste imité la voix de Mahomet afin que les gens pensent que c'est Mahomet qui délivra les versets sataniques. Bien. Pour les sources islamiques qui disent que c'est Satan qui les avait prononcées, et jamais Mahomet ne les a prononcées de sa propre bouche. La question qui se pose, dans ce cas, pourquoi donc les polythéistes, Mahomet, ses fidèles se prosternèrent à la fois pour lui, ses trois déesses? Donc, les musulmans étaient bien embarrassés par cette histoire, mais les scribes du premier siècle de l'islam ne pouvaient pas l'éviter.
Mais, avec le temps qui passe, jusqu'au premier recueil des hadiths majeurs, des siècles après Mahomet, les musulmans effacèrent effectivement les choses embarrassantes de leurs archives. Ce qui est intéressant à savoir est ceci. Les auteurs du Coran ont effacé certaines expressions pour modifier ces versets sataniques afin de semer le doute de leur existence, mais le Dieu vivant ne les a pas autorisés de réussir leur falsification. C'est ainsi qu'ils ont fait l'erreur de garder que les versets consolateurs en réponse d'Allah qui consomme Mahomet après avoir délivré les versets sataniques. Même les compilateurs des hadiths gardèrent les parties de l'histoire qu'ils aimaient tout en ignorant la partie où Mahomet délivre une révélation venant de Satan. Par exemple, on lit dans le Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, 4862, livre 65, du Tafsir, chapitre 4. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Lui seul, Coran, chapitre 53, verset 62. Rapporté par Ibn Abbas. Le prophète se prosterna quand il finit de réciter la sourate en Najm, c'est la sourate 53, contenant les versets sataniques, lorsque Mahomet l'a révélé aux croyants et tous les musulmans, et tous les mushrikom, c'est-à-dire tous les polythéistes, païens, mécréants, Mahomet, les djinns, et les humains se prosternèrent avec lui. Point. David Root se demande. Alors, pourquoi les idolâtres et les païens iraient-ils se prosterner après que Mahomet ait fini de réciter une sourate? Alors que, dans le Sahih Bukhari, il est rajouté un titre suggérant ceci. Que ce serait parce que la fin de la sourate 53 se termine par le chapitre 4. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Lui seul, Coran, chapitre 53, verset 62. Mais pourquoi des païens et des idolâtres qui rejetaient Mahomet et son enseignement iraient-ils se prosterner à la suite d'un verset du Coran leur recommandant de se prosterner? La prosternation des païens mécois n'a pas de sens. Dès lors qu'ils ne croyaient pas aux révélations de Mahomet. Donc pourquoi se sont-ils prosternés? Eh bien, nous le savons grâce aux sources islamiques qui viennent avant le Sahih Bukhari. En fait, ils se prosternèrent parce que Mahomet a fait révérence à leur déesse païenne. Ils se prosternèrent parce que Mahomet avait promulgué le polythéisme dans les versets sataniques. Plus tard, signalé par ses compagnons de son erreur, il changea d'avis et accusa Satan, de sorte que cela promulgue le monothéisme. Bukhari aime la partie où les païens et les idolâtres se prosternèrent en entendant ce verset du Coran qu'il aime, qu'ils se sont tous prosternés aux trois déesses païennes. Mais il n'aime pas la partie expliquant pourquoi se sont-ils prosternés aux trois déesses païennes. Donc, Bukhari garde la partie qu'il aime et rejette la partie qu'il n'aime pas. C'est exactement ce que font les musulmans d'aujourd'hui. L'histoire est comme un buffet à table pour beaucoup de musulmans. Soit, si tu aimes une chose, tu la prends et tu la manges. Soit, si tu n'aimes pas une chose, tu la rejettes et tu ne la manges pas. All dressed up in stardust and tinsel. Have a very, very merry, merry Christmas, says she. On the top of the tippy, tippy top of the tree. Have a very, very merry, merry Christmas, says she. Yes, it's Christmas time. Now I'm feeling awful
américain David Wood, dans sa vidéo, résume ceci. Voici en résumé ce qui s'est passé sur cette histoire sombre qui a embarrassé les musulmans, dont ils n'ont pas eu le courage de la cacher entièrement aux générations futures, sinon de la modifier légèrement, afin qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mahomet promulgua du polythéisme, puis il changea afin qu'elle ne fasse que la promotion du monothéisme. Puis les musulmans archivèrent ce qui s'est passé. Puis les historiens musulmans ultérieurs édulcorèrent cette histoire. Puis des musulmans, encore plus tardifs, effacèrent cette histoire. Et les musulmans d'aujourd'hui persistent de dire que cette histoire est un mensonge inventé par les juifs. Par ce geste accusatoire aux juifs par des musulmans postérieurs, finalement, ils ne considèrent pas cette histoire des versets sataniques comme vraie. Par ce fait, ils désapprouvent donc les pieux musulmans qui ont accompagné Mahomet dans ses prêches, qui considèrent cette histoire des versets sataniques comme vraie et qui l'ont archivée car eux, ils savaient que cette histoire des versets sataniques est vraie. L'islam est le suprême exemple pour savoir comment ne pas faire l'histoire. Pour ceux d'entre nous qui veulent savoir ce qui s'est passé, l'histoire des versets sataniques est aussi forte qu'elle ne peut l'être quand il s'agit de la vie de Mahomet. Premièrement, si les fidèles les plus proches de Mahomet avaient pu inventer une telle chose et avaient réussi à tromper la totalité de la première communauté islamique pieuse et fidèle à Mahomet, alors comment pourrait-on croire de la moindre chose qu'ils apportent sur Mahomet dans leurs sources qu'ils ont laissées comme héritage aux musulmans? Vous voyez, puisque ces pieux musulmans se sont trompés sans le savoir, combien des fois se sont-ils encore trompés sans le savoir sur tout ce qu'ils ont archivé dans leurs sources? Deuxièmement, si les fidèles les plus proches de Mahomet inventaient des histoires négatives qui rabaissaient sa crédibilité, alors finalement ils n'auraient eu aucun scrupule d'inventer des histoires plus positives sur lui. Vous voyez, puisque ces pieux musulmans sont des compagnons de première main de Mahomet qui aimaient Mahomet à mort, s'ils ont inventé une histoire négative sur lui alors qu'ils l'aiment, eh bien, pour leur amour pour Mahomet, combien d'histoires positives auraient-ils inventées et archivées dans leurs sources? En d'autres mots, lorsqu'on est prêt à renier la première communauté musulmane, pieuse, proche et fidèle à Mahomet, sachant que c'est la même communauté qui protégeait le Coran et qui a laissé aux musulmans d'aujourd'hui tout le patrimoine islamique qui existe du Coran et de la Sunna de Mahomet, qu'est-ce qui reste encore de l'islam? Sans eux, sans ces pieux musulmans du 1er siècle qui ont archivé le patrimoine islamique, si les musulmans d'aujourd'hui ne les font pas confiance, ne sont pas sur ce qui dérange. Sans eux, sans ces pieux musulmans du 1er siècle, l'islam aurait totalement disparu. Le moins qu'on puisse dire, c'est d'accepter tout ce qu'ils ont laissé, de les assumer et de faire confiance à tout ce qu'ils ont dit. Si les salafis, ces pieux musulmans qui ont suivi Mahomet dans ses prêches, n'étaient qu'un tas de menteurs, comme le font croire indirectement les musulmans d'aujourd'hui. Premier point. En niant certaines explications de ces premiers musulmans. Deuxième point. En niant certaines bonnes fois de ces premiers musulmans. Alors, pourquoi faire confiance à l'ensemble des sources islamiques qu'ils ont transmises aux musulmans d'aujourd'hui? C'est sur la base des sources islamiques que ces premiers musulmans ont transmises aux musulmans ultérieurs que nous savons ceci. Premier point. Le prophète de l'islam a, au moins une fois, délivré un message qui ne venait pas de Dieu, mais de Satan. Deuxième point. Le prophète de l'islam a, au moins une fois, parlé au nom du faux Dieu à cause de Satan. En récapitulant ces deux points que nous venons de citer, et au regard du critère du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, qui donne deux critères pour reconnaître des faux prophètes, nous obtenons les syllogismes suivants, qui découlent des conséquences du Deutéronome. Premier syllogisme. 1. Si un homme parle au nom de faux dieux, alors c'est un faux prophète. 2. Or, Mahomet a parlé au nom de faux dieux, on le sait, grâce aux nombreuses sources islamiques différentes, qui se corroborent toutes. 3. Par conséquent, Mahomet était un faux prophète. Deuxième syllogisme. 1. Si une personne délivre une révélation qui ne vient pas de Dieu, alors c'est un faux prophète. 2. Or, Mahomet a révélé une révélation qui ne venait pas de Dieu, on le sait, grâce aux nombreuses sources islamiques différentes qui se corroborent toutes. 3. Par conséquent, Mahomet était un faux prophète. Vous voyez, les deux syllogismes aboutissent au même résultat, à savoir, Mahomet est un faux prophète.
Comment les musulmans peuvent-ils éviter la conclusion de ces arguments tels que nous l'avons vu? Si les musulmans rejettent la première prémisse de chaque syllogisme, en niant tout ce que Mahomet et Allah affirment dans le Coran à propos de la Torah, et en niant l'argument le plus populaire venant de leur apologiste, qui approuve qu'il est parfaitement acceptable pour un prophète de délivrer une révélation qui vient du diable. Alors, sur ce chemin, ayant peur qu'on ne puisse pas prendre Allah ou Mahomet ou les apologistes musulmans au sérieux, ce qui signifie qu'on ne peut pas prendre l'islam dans son ensemble au sérieux. Alternativement, si les musulmans peuvent rejeter la deuxième prémisse de chaque syllogisme en prétendant Mahomet n'a jamais délivré les versets sataniques. Là encore, les musulmans qui prennent ce chemin ne peuvent pas prendre le Coran au sérieux, vu que des versets du Coran, chapitre 22, verset 52, et du Coran, chapitre 22, verset 53, furent révélés en réponse au fait que Mahomet a délivré les versets sataniques. Et on ne peut pas prendre non plus Mahomet au sérieux, car on ne peut rien savoir sur lui, vu que les seules personnes nous ayant transmis des informations sur lui étaient les pieux musulmans qui ont accompagné Mahomet, et que les musulmans d'aujourd'hui, par leur déni, les trahissent en ne pas les faire confiance indirectement. Mais indirectement, d'après les musulmans d'aujourd'hui, en refusant d'aller dans le même sens que ces pieux musulmans. Ces pieux musulmans sont comme les plus grands menteurs de tous les temps qui ont menti sur Mahomet. On peut en finalité qu'accepter les conséquences du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, qui définit les deux critères de faux prophètes, et suivre la conclusion en vertu des preuves que nous avons des sources islamiques de première main des pieux musulmans qui ont accompagné dans leur vie Mahomet, et dans ce cas, on doit rejeter Mahomet comme faux prophète sur la base du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, qu'Allah dans le Coran et Mahomet reconnaissent fiables et authentiques. C'est dur à accepter, mais on ne peut pas nier les faits. Si la vérité est parfois subjective, mais les faits sont toujours réels. C'est dur à suivre, mais quand il s'agit d'un faux prophète, on doit pouvoir être capable d'accepter, de le reconnaître, par la crainte de l'unique vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il est nécessaire que les musulmans l'entendent, d'après les sources originelles de l'islam. Les faits posés devant les païens rapportent que le prophète de l'islam ne savait pas faire la différence entre une révélation de Dieu et celle de Satan. Et, selon les critères du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, cela fait de Mahomet un faux prophète, d'après la prophétie rapportée par des vrais prophètes de l'Éternel. L'ironie dans tout ça, c'est que les musulmans prétendent respecter tous les prophètes, dont Moïse, le minimum, c'est de respecter toutes les révélations de Moïse, dont le Deutéronome, chapitre 18, verset 20, qui donne de critères de faux prophètes. Puisque le Coran invite les musulmans de respecter la parole d'Allah qu'il a délivrée à tous ses prophètes, mais si Mahomet avait délivré les versets sataniques à l'époque de Moïse, il aurait été ordonné aux gens de prendre des pierres et de le lapider à mort pour sa qualité de faux prophète. Heureusement, pour Mahomet, il récita ses versets sataniques parmi les païens qui le félicitèrent pour avoir fait la promotion du shirk et du polythéisme. Aucune personne qui aime Dieu et qui déteste l'idolâtrie ne peut accepter Mahomet comme un prophète du Tout-Puissant. Nous vous avons donné des preuves coraniques qui montrent que la Torah est un livre fiable, digne de confiance, dont les paroles ne sont pas modifiables parce qu'il est protégé par Allah. Voici un acte posé par Mahomet sur la Torah qui montre aux musulmans que la Torah est fiable, digne de confiance, bien préservée et révélée par Allah. Pour le découvrir, lisons sa dite. Dans le Sunan, Abu Daoud, MDOG 4449, il est dit ceci. Mahomet déclara. Apportez-moi la Torah, on lui apporta la Torah, et, par respect de la Torah, il retira le coussin du dessous de lui, et posa la Torah dessus, et déclara. Je crois en toi, la Torah, et en celui, Allah, qui t'a révélé. Ici, Mahomet porte un acte important, et prononce des propos importants. L'acte. Par le respect de la Torah, Mahomet s'arrange de ne pas laisser la Torah toucher le sol, il enlève son coussin qui lui permettait de s'asseoir, et il pose la Torah dessus. On voit par cet acte que Mahomet détenait la Torah, et avait un grand respect de la Torah. 2. Propos important prononcé par Mahomet. Mahomet dit avoir la croyance sur la Torah, c'est-à-dire, il reconnaît l'autorité de la Torah, il reconnaît la fiabilité de la Torah, et il a confiance à la Torah.
Et, pour terminer ses propos sur la Torah, Mahomet dit, celui qui l'a révélé est Allah lui-même. Avec autant de preuves qu'apporte le Coran, et, la Sunna authentique, de Mahomet, que la Torah n'est pas modifiée, qu'elle est fiable, et, digne de confiance, jusqu'à ce qu'Allah, dise à Mahomet, dans le Coran, tu n'es pas le juge des juifs, mais c'est la Torah qui en est la référence. Comment peut-on nier la fiabilité du Deutéronome, chapitre 18, verset 20 qui donne de critères pour reconnaître le faux prophète? Si, selon les sources divines, et, prophétiques de l'islam, qui attestent que la Torah vient d'Allah, et, est fiable. Alors, le livre du Deutéronome, qui appartient à la Torah, est aussi, fiable. Par conséquent, le Deutéronome, chapitre 18, verset 20, est aussi fiable. C'est par amour, à la parole d'Allah, et, de Mahomet, c'est par la crainte d'Allah, et, du modèle de Mahomet, que les musulmans doivent accepter les conséquences du Deutéronome, chapitre 18, verset 20, qui pose de critères permettant de reconnaître le faux prophète et sa conséquence de reconnaître Mahomet comme un imposteur et de ne plus le suivre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous allons finir avec la conclusion. In my Christmas bank account, I went downtown to get it. 15 cents was the amount. Yes, I went down to the loan company. Yes, to borrow a dime. He said he would, but he couldn't. Yes, 'cause it's Christmas time. Yes, I went downtown to the pawn shop to pawn my radio. I looked him right in the eye. Yes, and all he could say was no. No chicken, no turkey. Christmas tree. I hate to see Christmas come around, 'cause it always brings me down. Jump.